la place de rouler à 50 km/h, je roulais à 75. On sait très bien qu'entre vous et moi, personne roule à 50 km/h. Surtout avec une voiture comme ça, tu as l'impression d'être au stop quand tu roules à 50. Du coup, 25 km/h en plus. Du coup, j'ai dû payer 145 euros. Il n'y avait pas assez de pneus. Du coup, il m'a rajouté 145 euros. Et vu que j'avais 15 minutes, parce que j'ai déposé deux potes chez eux parce qu'ils avaient bu, je les ai déposés chez eux et moi, j'étais sur la route. J'avais 15 minutes de retard. Il était 23h15 et le c'est à 23h, du coup, en plus 45 euros. Et vu qu'on était deux dans la voiture, on a payé deux fois 145 euros. Un petit anniversaire à 600 euros pour la police. Hein. J'ai l'impression que c'était l'anniversaire de l'État luxembourgeois aujourd'hui. Hein. Les gars, et pour le Luxembourg, Happy birthday to you. Ah ouais, ils se sont mis max. Hein. Oh, ils ont mis max là. Ah là, l'État, ils ont fait un bon anniversaire. Je vous ai pas dit la meilleure. Ils m'ont gardé la voiture, bien évidemment. Bien évidemment, ils m'ont gardé la voiture parce que du coup, vu qu'il n'y avait pas de pneus, ils m'ont gardé la voiture. Ils me gardent la voiture jusqu'à demain et demain, je dois venir la récupérer avec une fourrière, avec un. Comment on appelle ça Dépanneuse. Une dépanneuse. C'est-à-dire que je dois prendre la voiture avec une dépanneuse et la ramener où ce que je veux pour changer les pneus. Parce qu'en fait, je ne peux pas rouler avec. Du coup, demain, la dépanneuse, ça va me coûter 300 €. Vu qu'elle a passé une nuit à la fourrière, ça va me coûter combien? Ouais, 300. Du coup. Voilà, en 2 jours j'ai gaspillé 1 200, mais pas pour moi, pour l'État, frérot, pour l'État. Les gars, je me suis fait baiser la gueule, mais comme jamais. Manger,